Marcos, nous sommes arrivés à la troisième édition du World Sports Legends Award. Et la particularité de notre événement est celle de lier les grandes stars du sport avec la mode, le show, le glamour, mais aussi avec l'art. Et donc, toi, tu es notre artiste international en titre, et c'est toi qui as conçu donc notre statuette. Hein, comment l'as-tu créée ? Quelle a été ton idée ? Bon, d'abord, tout un grand remerciement d'être toujours là. On est en grande famille déjà. Et l'idée de portrait, c'était justement célébrer tout ça ensemble pour donner l'honneur au sport. Donc, toute la mescle de l'art qu'on puisse avoir ensemble a donné cette image magnifique de portrait, qui est ces deux personnages qui dansent, qui célèbrent aussi le mouvement sportiste, qui célèbrent en chœur. Donc, tout est venu comme ça, l'idée de ce trophée, qui peut être très classique, en chœur. Ouais, je pensais toujours en chœur, c'est ça. Toujours, la générosité. Oui, oui. Et en même temps, de la discipline physique qui exige les méthodes sportives, toutes les méthodes sportives qui exigent. Elle est là présente sur l'énergie, sur le mouvement, très subtil, très léger en même temps. Le trophée, on va voir là plus tard. C'est vrai, il est magnifique. Ouais, merci. Et tous les ans, là, la chose qui change, c'est plutôt la base. Il y a toujours à la fin une chose très contemporaine, street art, très libre. Elle est peinte à la main. Chacun, c'est une pièce unique. Donc, c'est ça qui fait Chaque année aussi, tu réalises les empreintes des grands champions aussi. Donc, tu animes notre imprint show. Qui se passe pendant la journée du Media Day. Ouais. Et donc, tu réalises de façon très artistique, justement, leurs empreintes. Ils doivent vraiment, comment dire, créer une œuvre eux-mêmes, non ? Exactement. Et comment ça s'est passé aujourd'hui, donc, avec eux ? Écoute, aujourd'hui, je suis très content, comme toutes les autres fois, mais d'abord, j'ai décidé de changer la couleur de fond, de background, et cette année, elle est noire. Et donc, on a travaillé avec les empreintes en jaune, en vert, en blanc cassé. Et quelque chose de plus qu'on a fait sur les empreintes, c'est je donnais la liberté de chaque athlète de développer un mouvement qui puisse correspondre à son activité. Un mouvement créatif. Un mouvement créatif. Donc, on a certains qui ont plusieurs empreintes des mains. Et c'est tellement incroyable l'interchange d'énergie qui existe entre tous ces champions. Mon Dieu, quel challenge, quelle responsabilité aussi d'être avec eux. Mais c'est tellement sympa. Là, c'est vraiment un moment ludique, fantastique qu'on passe ensemble avec nos honorés champions. Et donc, toutes ces œuvres que nous avons intitulées le Panthéon des grandes légendes mondiales du sport sont après visibles à chaque édition sur notre tapis rouge. Ouais. Et donc cette exposition s'agrandit année après année. Hein, et donc notre tapis rouge demain soir sera longé de toutes ces œuvres réalisées par les sportifs avec toi. Ouais. En effet, aujourd'hui, comme les autres fois, j'étais juste le coordinateur d'une chose. Et tous ces athlètes qui ont tellement de talents dans eux-mêmes qui explosent dans ces moments-là. Et c'est une belle collection, ça va être sympa de voir chaque année à le plus grand. C'est une toutes ces personnalités finalement différentes. Ouais, c'est un portrait de l'histoire des grands champions. L'histoire du sport, c'est sublimissime ça. Vraiment, mais écoute alors, nous nous donnons rendez-vous demain soir sur le tapis exact. Rouge. Merci Marcos. C'est moi, merci Lorena. Et je vais affirmer le dernier. Il faut signer la dernière empreinte réalisée. Parce qu'en effet, c'est des œuvres d'art co-signées. Oui. Ouais, et la dernière, ça... Voilà, tout à fait. Donc...